Eh bien bonjour et bienvenue. Bienvenue sur cet événement organisé par la Fondation FACE sur face aux violences conjugales, quel est le rôle de l'entreprise dans l'accompagnement des salariés? Alors, c'est donc organisé par la Fondation Agir contre l'exclusion et son réseau, dont 18 clubs, sont aujourd'hui partie prenante de ce projet. Petite seconde d'avis personnel, ça fait 9 ans que je suis chez FACE. Et quand je suis arrivée, c'était un sujet qui me tenait à cœur parce que j'étais l'une des anciennes vice-présidentes des élus contre les violences faites aux femmes. Et on s'est demandé pendant longtemps qu'est-ce qu'on pouvait faire sur ce sujet. Et grâce à des programmes européens, entre autres, nous avons pu avancer. Alors aujourd'hui, l'intérêt, c'est que parce qu'il y a tout un travail de fond qui a été entrepris au sein de FACE, on va vous faire entendre aujourd'hui un certain nombre de témoignages d'entreprises impliquées dans l'engagement, dans l'accompagnement de leurs salariés, victimes de violences conjugales, et sur l'impact que ça peut avoir sur leur travail. Alors, même si ça peut sembler éloigné de la sphère professionnelle, dans les faits, non, pas du tout. À l'origine de ce projet, enfin de ces premiers projets, c'était la nécessité de lever les tabous, ces violences conjugales, dans la sphère professionnelle. Ce sujet est un sujet d'entreprise, comme d'autres sujets, qui pourtant pourraient relever de l'intime. Et nous sommes convaincus, avec le réseau et les clubs qui déjà nous accompagnent, que cette entreprise, c'est certainement l'un des maillons les plus importants d'une réponse globale qu'on doit apporter. On le fait avec des associations, avec des acteurs gouvernementaux. Et l'idée, c'était effectivement aujourd'hui d'échanger de manière extrêmement concrète. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est d'abord Charles-Laurence Drecq, délégué général de la Fondation FACE. Concrètement, pourquoi ces violences conjugales, c'est un sujet d'entreprise et comment la Fondation s'engage pour impulser des initiatives avec les entreprises et auprès des entreprises? Alors, j'ouvre mon micro, ce sera plus simple. Bonjour, bonjour Catherine, bonjour à tous et à toutes. C'est très simple. Vous avez parlé d'une réponse globale et il faut apporter des réponses concrètes. Je pense que c'est notre rôle de fondation. Alors, pour ceux et celles qui nous connaissent bien, savent que la Fondation FACE, c'est d'abord et avant tout la Fondation et un réseau, un maillage très, très important de clubs. De clubs d'entreprise à travers la France entière, évidemment dans les territoires ultramarins. Et cette thématique, comme vous l'avez rappelé, nous occupe depuis 2014 via différents projets européens. Et les clubs, vous avez parlé de 18 clubs, c'est énorme pour nous, se sont engagés depuis longtemps dans cette thématique. Je pense par exemple à FACE Aude. Et ce mouvement rencontre depuis quelques années un véritable engouement, notamment avec la signature et l'utilisation de la charte d'engagement contre les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Cette charte est un élément structurant. J'ai parlé d'éléments concrets et c'est extrêmement important parce que tout ce que nous faisons rencontre une réponse concrète. Cette charte veut agir exactement comme un outil sur lequel s'appuyer pour développer des actions en interne et agir en bonne intelligence, évidemment partager des bonnes pratiques. Et évidemment, et je n'insisterai jamais assez sur la nécessité de créer des outils à destination du monde de l'entreprise pour que l'entreprise puisse s'en emparer et agir concrètement. Et puis évidemment, produire de la recherche-action parce que c'est essentiel. Il est vrai que l'étude que nous avons portée, l'étude européenne du réseau Women Three Women en 2019, vient légitimer les idées que nous avions de cette nécessité de légitimer aussi la saisie de la thématique par les entreprises. L'étude, qui s'appelle Comment les violences impactent-elles le monde du travail, est la première de cette ampleur en Europe. Elle a concerné 40 000 salariés et 6 entreprises membres du réseau qui l'ont lancée parmi leurs salariés pour vraiment vérifier, mesurer l'impact des violences conjugales sur les salariés, leurs collègues et évidemment l'entreprise tout entière. Alors, là où on apprend que 2 salariés sur 10 ont déclaré subir ou avoir subi des violences conjugales avec des conséquences sur leur vie professionnelle, évidemment, ça vient légitimer cette idée que oui, l'entreprise a un rôle à jouer. Ça signifie que chaque employeur a été, est ou sera confronté à des situations de violences conjugales. Et c'est extrêmement important. Alors, il y a évidemment ce chiffre de 2 salariés sur 10. Je vais prendre celui-là aussi qui est tout à fait édifiant et tous les autres parlent tout seuls, bien sûr. C'est 55% des victimes déclarent que ces violences ont affecté leur travail quotidien.
parce qu'il y a des retards, parce qu'il y a de l'absentéisme, parfois même du présentéisme, une baisse de productivité. Et on note par exemple que 24% des victimes ont pris des congés en raison des violences conjugales subies. On ne peut donc pas dire que l'entreprise n'a pas son rôle à jouer et ne porte pas aussi l'écho de ces violences. Donc nous, en fait, notre rôle, c'est à la fois de montrer que les violences ne s'arrêtent pas aux portes du domicile et évidemment pas plus à la porte de l'entreprise. La personne, elle porte en elle les problématiques qu'elle subit jusqu'à son entreprise, dans son entreprise. Et évidemment, c'est aussi parfois le seul endroit où elle est hors de portée de ses agresseurs. Et là, je vais un peu minorer mon propos parce que, bien sûr, il faut quand même penser que par le cyberharcèlement, par des coups de fil, par des SMS à répétition, la violence peut se répercuter et continuer à produire son onde de choc dans la vie, y compris au travail. Donc oui, une protection dans certains cas, et puis dans d'autres, la violence continue, si je puis dire. Alors voilà, notre rôle à nous, Fondation, c'est à la fois de lever le tabou. Oui, l'entreprise a à voir, a à faire, peut agir sur la question des violences conjugales pour assurer une prise en charge accrue, évidemment, sans entrer dans l'intimité de la personne, sans franchir de frontières qu'elle ne doit pas franchir. Oui, mais elle peut agir. Et évidemment, non plus, ce n'est pas notre rôle. On ne veut pas remplacer les associations. On veut interagir. On veut agir en interface comme un maillon d'une chaîne qui doit être extrêmement fine et précise sur tous les territoires. Voilà, et chacun doit agir sur ses fonctions propres, évidemment, et ses missions. Nous, en plus de cette charte qui doit être signée, évidemment, et on en appelle de nos voeux de la signer au niveau local pour avoir aussi un maillage très fort d'entreprises sur les territoires, et évidemment, je pense aux PME et aux TPE qui veulent aussi s'engager sur ce sujet, à nous de construire le plus vite possible le maillage nécessaire de petits collectifs de travail, de groupes spécifiques pour réfléchir avec les PME-TPE, avec leur outil à elles, à comment les impliquer dans cette lutte contre les violences conjugales. Et enfin, pour nous, c'est continuer de développer, comme Face Loire va vous le partager, Face Aura, des job académies spécifiques pour les femmes victimes de violences conjugales, par exemple, en partenariat avec la FNSF et les associations d'aide aux victimes, et d'autres clubs sur les territoires. Je pense notamment à Carrefour, qui l'appelle de ses voeux, qui est présent ce matin à ce webinaire et qui est partenaire du programme SEASE, One in Three Women. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous apporter, notre rôle, qui est surtout un rôle d'entraînement, si je puis dire, et puis surtout de proposition de solutions concrètes. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer au point introductif. On va aborder un petit peu le cœur du sujet, parce que ce qui est instructif et très important, et c'est pour le coup une marque de fabrique de face, c'est que l'action se décline sur le terrain et sur le territoire. Et comme vous le savez, ou celles et ceux qui ne le savent pas, FACE, c'est avant tout un maillage de structures, de clubs d'entreprise, de structures d'insertion, et bien sûr de fondations abritées. Et donc, l'idée, c'était au-delà des grands groupes qui s'engagent à nos côtés, c'est de pouvoir décliner auprès des structures de taille moyenne, des ETI, des PME, et de pouvoir permettre à ces entreprises d'appréhender le sujet et de pouvoir, elles aussi, accompagner leurs salariés. Alors, Sonia Pastor, vous êtes la présidente du club Face Noire et votre club est extrêmement impliqué depuis longtemps sur ce sujet. Je vous laisse prendre la parole pour raconter un petit peu ce que fait ce club avec ses entreprises adhérentes. Et nous avons un petit silence ou un micro non branché peut-être. Effectivement, ça va mieux avec le micro. C'est les contraintes du direct. Merci Catherine et bonjour à tous et à toutes. Je vais donc poursuivre dans la continuité de l'introduction de Laurence en présentant la démarche mise en œuvre par notre club FACE sur le territoire ligérien. Alors tout commence en 2018 sous l'impulsion de la Fondation FACE et de la démarche nationale.
que notre conseil d'administration a décidé de se saisir de cette thématique donc difficile, hein, mais sur laquelle il nous semblait indispensable d'agir, car cela répondait à une vraie problématique sociétale. Alors, une fois que l'on a décidé de s'engager, il fallait trouver nos partenaires locaux, hein, puisque le rôle de FACE, c'est de réunir les acteurs publics, privés et associatifs. Nous avions notre réseau d'entreprises hein, qui pouvait être sollicité, mais au-delà des entreprises, il fallait également le soutien des institutionnels et le partenariat des associations spécialisées. Donc, nous avons pu compter sur le soutien de la ville de Saint-Étienne, et puis l'État, via la délégation des droits des femmes, et Carrefour Market aussi. Donc, tous ces acteurs ont décidé de nous suivre, de nous appuyer dans notre projet et d'un point de vue aussi également financier. Nous avons également pu compter sur le soutien d'associations comme SOS Violence, hein, le Centre d'information sur les droits des femmes et les relais emploi. Alors, quelles étaient les bases de notre projet? Donc, nous avions décidé de le relayer la dynamique qui avait été insufflée par la Fondation, mais nous souhaitions aller beaucoup plus loin, donc dans des actions très concrètes. Donc, notre projet s'est articulé autour de deux volets. Le premier volet, ce sont les entreprises, hein, donc tout ce qu'on a fait à destination des entreprises. Et le deuxième volet, ce sont les femmes victimes de violences en recherche d'emploi. Alors, en ce qui concerne le premier volet et les entreprises, celui-ci, il avait pour objectif de sensibiliser et d'accompagner les entreprises volontaires à prendre en compte le sujet des violences familiales. Dans un premier temps, FACE s'est attaché à mobiliser son réseau autour de cette thématique hein, pour inciter les entreprises à s'approprier cette problématique et à signer la charte d'engagement pour la lutte contre les violences conjugales. L'objectif, c'est de faire prendre conscience aux sociétés, quelle que soit leur taille, que les violences existent et qu'elles ne s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise. Et la signature de cette charte acte l'engagement de l'entreprise. Puis, donc, sur le volet entreprise, FACE a accompagné également les sociétés dans leur communication interne, hein, sur ce sujet, puisque le principal enjeu, c'est de pouvoir en parler au sein des entreprises pour libérer la parole et lever les tabous des violences conjugales. Alors pour cela, FACE a mis à disposition des outils de communication pour les aider à communiquer en interne, hein, donc des kit managers, des posters, des affiches, des brochures salariées. Et enfin, le dernier axe, c'était d'outiller les managers de proximité et les RH pour être en capacité d'être un relais et un acteur complémentaire dans la gestion de cette problématique. Donc être en capacité de pouvoir orienter ces femmes, d'apporter écoute, conseils quand ça arrive au sein de l'entreprise. Avec les outils qui sont proposés et qui sont portés par la Fondation, on répond également aux besoins de formation des interlocuteurs entreprises, donc les managers de proximité, les RH, qui peuvent être confrontés à ce type de situation. Cela permet de donner des clés pour apprendre à écouter, soutenir, orienter ces femmes qui peuvent se déclarer à un moment donné. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, notre projet s'est articulé autour de deux volets. Je viens de vous présenter le volet entreprise. Je vais maintenant vous présenter le deuxième volet qui est l'accompagnement des femmes victimes de violences qui sont en recherche d'emploi. Alors, nous ne voulions pas nous arrêter à la sensibilisation et à la formation des entreprises. Nous souhaitions aller plus loin dans cette démarche. Et donc, nous avons décidé d'accompagner en 2018 un premier groupe de 8 femmes victimes de violences vers l'emploi ou la formation. Alors, ces femmes sont orientées par des structures associatives, hein, en particulier liées SOS Violence avec laquelle on travaille. Et donc, elles arrivent au sein de notre association et nous les prenons en charge sur une période de 6 mois pour qu'elles puissent retrouver de l'autonomie et l'insertion par l'emploi. Alors, c'est le deuxième volet de notre projet et c'est typiquement ce que FACE sait bien faire, hein, prendre en charge un groupe avec une histoire particulière pour le remettre sur le chemin de l'autonomie et de l'insertion par l'emploi, avec un suivi individuel personnalisé qui alterne entre des temps collectifs et des temps individuels. Donc, les personnes que nous accompagnons sont dans une vraie dynamique de recherche d'emploi. Alors, ce parcours qui dure 6 mois, ces femmes suivent des ateliers sur des techniques et des recherches d'emploi, donc des ateliers sur l'estime de soi, les savoir-être, les compétences,
On a également un atelier numérique, des visites aussi collectives d'entreprises et puis des simulations d'entretien qui sont réalisées par des professionnels. En 2019, on a souhaité intégrer dans ce parcours des modules. Nous avons souhaité intégrer dans ce parcours en 2019 des mises en relation avec des marraines dans des entreprises également. Donc, on a trois entreprises en 2019 qui ont ouvert leurs portes pour faire du marrainage et donc accueillir ces femmes avec lesquelles elles ont des contacts réguliers. Donc, on a eu Carrefour Market, Active Finance Conseil et l'Ours Pâtissier également qui ont ouvert leurs portes. Nous avons également souhaité intégrer dans ce parcours des modules en lien avec le bien-être et la santé, par du coaching en images, de la sophrologie. Nous avions en effet à cœur de redonner confiance à ces femmes qui sont en situation de fragilité en travaillant sur leur image. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On vient de terminer notre deuxième promotion et nous allons bientôt en démarrer une troisième. Donc nos actions sur cette thématique sont bien sûr loin d'être terminées, puisqu'en 2021, elles vont prendre de l'ampleur sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puisqu'en effet, nous allons déployer ces actions sur trois autres clubs, donc celui du Bourbonnais, du Grand Lyon et de la Haute-Loire. Voilà pour la présentation de nos actions. J'ajouterai simplement que tout ce travail ne peut se faire, bien sûr, qu'avec tous les soutiens et les partenariats que nous développons sur notre territoire. Merci. Je repasse maintenant la parole à Catherine. Merci beaucoup, Sonia. Alors, je pense que tout le monde a bien compris ce que ça voulait dire de travailler de manière concertée entre le monde de l'entreprise, le monde associatif. Et je crois que c'est aussi l'une des raisons qui fait que ce que l'on peut mettre en place peut vraiment fonctionner. Alors du coup, je voudrais maintenant voir, et on va avoir un petit temps de coordination pour que Françoise Briet, qui est la présidente de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui par ailleurs gère le 3919, pour lesquels, je le rappelle pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, nous avons au sein du réseau One Three Women accompagné avec le soutien en pro bono de Publicis, une nouvelle campagne de levée de fonds pour leur permettre justement de répondre aux urgences et aux besoins d'accompagnement de toutes ces femmes victimes de violences qui ont besoin à un moment donné d'être exfiltrées de chez elles, les questions de logement, les questions d'écoute, les questions d'accompagnement. Alors, chère Françoise, le temps, effectivement, tu me fais un petit signe, Clara, quand tu penses que c'est bon, petit signe de la main. Je voudrais effectivement vous expliquer un petit peu quel est l'enjeu pour vous, évidemment, au regard de ce que vous faites depuis tellement d'années et dans des environnements parfois difficiles. Quel est cet enjeu, effectivement, en ces périodes qui sont tellement particulières en ce moment? Et bien sûr, le rôle que les entreprises peuvent jouer. Si Françoise est connectée, c'est bon? Oui, si vous m'entendez? C'est parfait, Françoise. Voilà, je suis désolée, on a un petit problème technique, donc je vais intervenir juste pour que vous me puissiez me voir à l'écran. Donc voilà, pour rappeler que la FNSF, voilà, c'est un réseau de 73 associations en France avec une tête de réseau Nîmes et 73 associations et qui a créé et gère la ligne d'écoute national 3919 violence femmes info. Donc simplement pour rappeler quelques chiffres, donc on sait très bien qu'une femme sur trois est victime de violences conjugales dans le monde et en France on est à 220 000 femmes victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année en France. On se rappelle les chiffres aussi de 2019 avec 146 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint et donc c'est un phénomène évidemment de grande ampleur et qui touche toutes les classes socio-économiques et culturelles et qu'il est important de combattre, bien entendu, et l'entreprise a évidemment un rôle essentiel à jouer. Alors, juste pour rappeler que c'est aussi ce phénomène, je dirais, mondial et aussi se rattache aussi à un certain nombre de textes internationaux. Je pense que c'est important de rappeler le comité sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes, la conférence des Nations Unies de Vienne, les résolutions des Nations Unies qui ont donné lieu à cette journée internationale du 25 novembre qui existe depuis 1999, et puis la convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'encontre des femmes et la violence domestique, la convention d'Istanbul. Et je rappelle que dans cette convention, que vous pouvez trouver bien sûr sur le site du Conseil de l'Europe, vous avez
une part qui est un chapitre en fait, qui est consacré à l'importance des interventions du secteur privé, des entreprises dans la lutte contre les violences faites aux femmes et comment cet aspect fait partie aussi des politiques intégrées, c'est-à-dire des articulations entre les politiques publiques, les entreprises, le secteur associatif et toutes les institutions, jusque dans les départements où chaque structure a évidemment son rôle à jouer en travail en réseau pour pouvoir justement améliorer le parcours des femmes. Donc c'est vrai que cette question pour nous elle est essentielle. Dans les différentes formes de violences que nous rencontrons, on a à la fois les violences verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, économiques et administratives. Et sur les violences économiques, je voudrais juste rappeler qu'on a évidemment l'interdiction de travailler, le chantage économique, les arrêts de travail, dues aux violences et que qui ont évidemment un impact très important sur la vie professionnelle des femmes. Donc c'est à la fois valable pour les femmes que nous accompagnons dans nos structures et qui peuvent être à la fois à la recherche d'emploi mais aussi être des salariés qui rencontrent des difficultés du fait de ces violences conjugales. Donc l'articulation évidemment là avec les entreprises elle est essentielle et comment nous on peut travailler avec les entreprises en permettant par des actions de sensibilisation et de formation au sein des entreprises justement de leur permettre de mieux repérer les violences, de mieux recevoir la parole des femmes à un moment donné dans leur parcours en organisant au sein de l'entreprise des protocoles et la possibilité surtout de pouvoir ensuite articuler avec les associations locales dans chaque département. Ça peut être aussi évidemment d'orienter vers la ligne d'écoute nationale, mais comment les partenariats vont pouvoir s'établir de façon à ce que les femmes puissent être orientées vers les associations spécialisées et que dans ces échanges de partenariats, les entreprises puissent par exemple faciliter l'accès au logement, faciliter les aides financières, travailler en lien pour mieux améliorer la sécurité des femmes sur le lieu de travail lorsque le conjoint ou l'ex-conjoint devient très insistant, voire agressif autour de l'entreprise. Donc ces éléments-là, effectivement, que nous pouvons travailler ensemble et en sachant que derrière, les associations spécialisées peuvent tout à fait mettre en sécurité un centre d'hébergement, proposer un accompagnement global qui va du soutien psychologique au conseil juridique jusqu'à tout ce qui va toucher au secteur social. On connaît les difficultés que rencontrent les femmes du fait des violences précarisent les femmes ou aggravent des phénomènes de précarisation déjà à l'œuvre lorsqu'on connaît ensuite les inégalités femmes-hommes qui sont prégnantes dans notre société avec des emplois précaires, avec des CDD, avec la monoparentalité. Donc tous ces éléments qui vont être finalement aggravés par les violences en sachant que l'auteur des violences, lui, va utiliser effectivement tous les moyens pour interdire finalement l'autonomisation de sa compagne. Et ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais évidemment une surveillance très serrée autour de tout ce qui touche à l'emploi et évidemment des conséquences parfois très graves puisqu'on a des femmes qui peuvent se retrouver en situation de handicap du fait des violences. Donc ce sont des éléments que je voulais un peu rappeler. Pour rappeler aussi que l'importance aussi du coût des violences conjugales sur l'économie de l'Union européenne, on est à 109 milliards d'euros, un chiffre qui a été donné en 2014. Donc toute implication des entreprises à nos côtés dans la lutte contre les violences va évidemment être un investissement quelque part pour permettre justement de faire reculer à la fois ce phénomène mais aussi de permettre la baisse aussi de coûts que peuvent avoir ces violences sur les femmes. Voilà, donc notre réseau, évidemment, reste à disposition de toutes les entreprises et de FAS pour pouvoir continuer le partenariat. Nous avons un service de formation, un observatoire national des violences conjugales avec des données, et on pourrait travailler aussi sur d'autres données au sein des entreprises avec vous. Également, la question du nombre de femmes qui sont hébergées dans nos centres avec leurs enfants, plus de 5000 femmes en France chaque année. Un dispositif de mise en sécurité de femmes en très grave danger par des éloignements géographiques d'un département à l'autre. Et là aussi, travailler avec les entreprises pour faciliter les mutations peut être aussi un des éléments sur lesquels on peut s'appuyer.
Et dans nos centres d'accueil, évidemment, on suit 30 000 femmes hors hébergement, qui est aussi extrêmement important. Voilà, on a aussi à notre siège la possibilité d'avoir des conseils juridiques aux 3919 et aux associations. On vient de sortir un guide, une publication sur le logement pour les bailleurs et un guide juridique sur le logement pour les professionnels que les entreprises peuvent aussi évidemment utiliser puisqu'il est accessible pour pouvoir travailler ensemble autour de la question de l'hébergement et du logement, et puis aussi des actions de prévention auprès du public, que ce soit dans des actions de sensibilisation comme celles qu'on a aujourd'hui, ou des actions de prévention sur les inégalités femmes, sur la déconstruction des stéréotypes à l'occasion d'événements plus larges et plus publics qui nous permettent aussi de travailler sur le fond de la question, puisqu'on sait très bien que les violences, elles s'inscrivent aussi dans un contexte d'inégalité, très forte pour les femmes et que c'est aussi ce point-là qu'il faut absolument travailler à la fois dans la société en général mais aussi dans les entreprises. Voilà, je vais m'arrêter là peut-être et puis laisser des questions s'il y en a. Merci beaucoup Françoise. Alors, des questions, il y en aura peut-être après parce que pour garder un peu le timing, on va maintenant passer à la deuxième phase de notre webinaire avec des témoignages d'entreprises. Juste rappeler effectivement ce que souligne François sur la question du logement. C'est un enjeu d'ailleurs pour nous chez FAS de manière globale puisque toutes les personnes en fragilité qu'on accompagne aujourd'hui à l'emploi ou à la réinsertion, à un moment donné, si elles n'ont pas un logement décent, ça ne tient pas. Donc c'est une chaîne complète et c'est pour ça que si dans l'assistance il y a des personnes qui sont chez des bailleurs, contactez-nous parce que justement on est sur un groupe de travail en ce moment sur la question du logement et c'est un enjeu majeur pour beaucoup de populations. Petit point de détail aussi d'actualité, une question qui a été posée sur le fait que l'État va mettre effectivement un marché public pour la gestion du 3919, tenant compte que le montant est important, qu'il y a des obligations européennes. Et donc, juste souligner qu'il y avait une certaine inquiétude qui, a priori, est minorée du côté du gouvernement et du ministère pour les avoir interrogés. Mais c'est vrai qu'il y a une petite inquiétude sur qui prendra le marché de ce 3919 lorsqu'il sera effectivement officiellement lancé. Évidemment, tout le monde souhaite de ses voeux que la Fédération nationale solidarité femmes continue, évidemment, à tenir ce 3919. Je ferme mon petit point d'actualité et maintenant, on va aborder le sujet des entreprises et des témoignages très concrets. Pour montrer évidemment ce que l'on est capable de faire pour accompagner au mieux des salariés qui sont victimes effectivement de violences et qui n'osent pas forcément parler. Donc vous avez une boîte questions-réponses, n'hésitez pas à poser des questions, elles seront gérées par l'équipe Clara Aurore de manière à pouvoir les passer ou en tout cas donner les réponses. Alors, on a bien compris que cet engagement d'entreprise ne peut être que global. Ça dépasse aussi le cadre interne de l'entreprise, hein, puisque dès qu'on aborde la question du logement, une entreprise peut agir, on est en dehors du cadre stricto sensus du responsable d'entreprise. Alors, pour commencer le premier témoignage, demandez à Élodie Blin, qui je crois par téléphone aussi, qui est la directrice santé au travail, handicap et diversité chez Carrefour, d'intervenir. Alors, chère Élodie, votre groupe a bien compris l'importance de cette approche, à la fois compréhensive et globale, avec toute la mesure, et ça vaut pour toutes les entreprises qui vont témoigner, toute l'humilité, comme le disaient certaines, qu'on doit avoir face à un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément. Élodie, si vous êtes en ligne. Oui, bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette invitation lors de ce webinaire. Il était important aussi pour nous aujourd'hui de pouvoir témoigner de notre engagement. Donc Carrefour s'est engagé il y a déjà plusieurs années dans la lutte contre les violences faites aux femmes et dans la lutte contre les violences conjugales. Juste pour vous donner peut-être quelques chiffres, Carrefour, c'est 100 000 collaborateurs en France avec 55% d'effectifs féminins. Donc forcément, par rapport aux chiffres qui ont été évoqués précédemment, statistiquement, on a des victimes de ces violences au sein de nos effectifs. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose d'essentiel de pouvoir, comme vous le disiez, ces violences ont un impact forcément sur les conditions de travail de nos collaborateurs et de nos collaboratrices, mais surtout pour nous, l'important c'est qu'elles puissent conserver en tout cas leur emploi
dans ces situations qui sont déjà dramatiques et donc qu'elle ne soit pas éloignée de cet emploi ou dans une perte d'emploi. Donc vraiment, pour nous, c'est ça notre objectif et c'est ça qui est important dans les actions qu'on va pouvoir mener au quotidien. Donc, bien évidemment, on fait partie du réseau One in Three, on a des engagements auprès de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, on s'engage aussi auprès de ONU Femmes France. Aujourd'hui, on a essayé de vous montrer, en tout cas, trois actions qui se veulent être très concrètes qu'on a mises en place récemment ou moins récemment pour nos collaborateurs. Et du coup, je vais commencer par la première, qui est du coup un guide de prévention qu'on a établi donc en lien avec ONU Femmes France il y a déjà quelques années. Et ce guide, il a vraiment pour objectif de sensibiliser nos collaborateurs, de les informer et de les accompagner sur le phénomène des violences conjugales. Donc globalement, à quoi ça correspond, comment on identifie les différents types de violences. Je crois que c'est important d'expliquer que les violences conjugales, c'est pas seulement des violences physiques, c'est des violences verbales, c'est des violences potentiellement sexuelles, économiques, psychologiques, que ça touche l'ensemble des catégories socioprofessionnelles, Françoise l'a dit précédemment, et que les signes de ces violences ne sont pas toujours visibles. Donc ça, c'est vraiment important et c'est ce qu'on rappelle dans le guide, c'est ce qu'on explique de manière importante. On explique aussi qu'il y a beaucoup de dispositifs, soit internes, soit externes, qui peuvent exister et qui existent en tout cas pour nos collaborateurs. Et surtout, les accompagner et pouvoir être là pour donner quelques conseils, comment on réagit par rapport à une victime, quand on est un collègue, quand on est un manager, c'est quoi la meilleure des réactions possibles pour pouvoir apporter un accompagnement par la suite. Et l'accompagnement, ça va être notamment se rapprocher d'organismes, d'associations, vraiment qui sont spécialisés dans l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Donc ça, c'est quelque chose qui a été important, qu'on a réalisé il y a déjà 4 années en arrière. Et donc le guide, il est à disposition de l'ensemble des collaborateurs, donc sur nos différents formats, donc tant en hypermarché qu'en supermarché, qu'à la logistique, qui est un milieu plus masculin, mais sur lesquels on souhaite aussi parler de ce sujet-là, parce que c'est important de pouvoir toucher tout le monde. Tout le monde peut avoir quelqu'un autour de lui, finalement, qui est victime de ces violences-là. En deuxième exemple, on a choisi de vous parler de quelque chose qui est plus récent, qui est plus en lien avec le contexte actuel, malheureusement, de la crise sanitaire et qui a été mis en œuvre lors du premier confinement. On était, donc bien évidemment, vous le savez, il y a eu une hausse des interventions des forces de l'ordre pendant ce premier confinement. On a vu des chiffres de l'ordre de plus 40%. De ces phénomènes de violence. Et du coup, le gouvernement nous a sollicité pour tout de suite pouvoir être réactif et mettre en place ce qu'on a appelé des points d'accueil éphémères pour des associations, là où on était implanté dans des centres commerciaux notamment, où les locaux étaient vides et là où finalement les femmes c'était leur seul lieu, entre guillemets, où on pouvait se rendre sans difficulté, c'est-à-dire aller faire ses courses. Et donc, notre devoir en termes d'entreprise et en termes d'entreprise engagée, ça a été de répondre, bien évidemment, présent et mettre en place le maximum de points d'accueil pour ces associations-là à travers nos différents centres commerciaux, puisque nous, on a une filiale du groupe qui est une foncière et qui permet de mettre à disposition ces locaux. Donc on a réussi à mettre une trentaine de points d'accueil éphémères dans différents centres commerciaux et de pouvoir accompagner ces associations qui viennent en aide des femmes victimes de violences. Et l'action complémentaire qu'on a pu apporter à ces associations-là, c'est à l'aide de nos hypermarchés, donc qui sont situés dans ces centres commerciaux, à l'aide d'un engagement sans faille de nos directeurs et directrices de magasins pour cette cause, apporter des kits d'urgence aux associations. Dans ces kits d'urgence, on a bien évidemment des kits d'urgence sanitaire avec du savon, des produits élémentaires, en fait, si jamais on doit partir de son domicile rapidement, avec aussi des choses pour les enfants, notamment quand on a des enfants en bas âge, ben, on a demandé à nos directeurs de magasins de pouvoir fournir du lait premier âge, des couches, voilà,
tout ce qui va être essentiel. Et puis après, ils ont été libres de le compléter, bien évidemment, comme ils le souhaitaient. Et eux, ils ont aussi souhaité compléter avec des objets ou des choses pour accompagner les enfants également qui pouvaient être présents lors de l'accueil de ces femmes victimes. Bien évidemment, cette action, on la continue autant que faire se peut lors de cette deuxième phase de confinement. Et bien évidemment, si on peut pérenniser finalement ces points d'accueil, c'est avec grand plaisir qu'on sera un relais et un acteur sur ce sujet-là. Enfin, peut-être un troisième exemple d'action concrète qui est très récent pour le coup, puisque c'était mercredi, donc lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons souhaité être un relais de communication au sein de l'ensemble de nos magasins, donc hypermarchés et supermarchés notamment, en mettant en place un message de prévention sur nos tickets de caisse. Alors, c'est pas sur le ticket de caisse habituel, c'est sur le ticket qui principalement utilisé, vous savez, pour les bons de réduction. Et du coup, on y a mis un message de prévention qui nous semblait être essentiel et important, en relayant bien évidemment les numéros d'urgence, mais aussi les dispositifs d'écoute tels que le 3919. Voilà, c'est quelque chose qui était essentiel pour nous, qui a été très bien accueilli par nos collaborateurs et également par l'ensemble de nos clients. C'est très synthétique, c'est quelques exemples d'actions concrètes qu'on a mis en place chez Carrefour. Bien évidemment, on aura plaisir de partager d'autres actions qu'on a pu mettre en œuvre. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup, Élodie. Oui, pardon. Vous voulez ajouter quelque chose, non? Non, non, okay. Merci. Bon, merci infiniment. Je pense qu'on a un bon éclairage justement ce que une entreprise publique en contact direct avec les consommateurs peut effectivement faire en matière de préparation. Et bien sûr, sur la question de la sensibilisation des collaborateurs. Alors, je sais que ce sera abordé sans doute par d'autres, mais sur la formation des managers, vous avez fait quelque chose de particulier? C'est une question qui a été posée dans notre chat. Ah, alors, coupure, peut-être. Clara, est-ce qu'Élodie est déconnectée du téléphone? Alors, je suis connectée, mais je suis désolée, j'entends vraiment pas la question. Est-ce qu'on peut reposer la question? Je la repose. Est-ce qu'effectivement, vous avez parlé de sensibilisation des collaborateurs? Qu'est-ce que vous avez fait comme... Est-ce qu'il y a une formation des managers? Comment vous avez agi pour permettre surtout aux managers de proximité sur le terrain de pouvoir répondre aussi à l'enjeu en dehors de ce qui peut se faire au siège? Bien sûr. Du coup, alors ce guide, il est bien évidemment à l'ensemble de nos collaborateurs, donc employés comme managers, et ça c'est essentiel pour nous. On a pu former quelques managers, mais pas de manière massive. Ça, c'est vraiment notre action 2021. En 2021, on va engager, et notamment à l'aide de Solidarité Femmes, des formations spécifiques pour nos managers sur justement la détection de ces violences-là, comment on accompagne, comment on écoute. Et ce qui va être complémentaire pour nous, c'est surtout de pouvoir mettre en place un dispositif d'alerte et d'accompagnement dans notre entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bien évidemment face à des situations qui sont concrètes et réelles, mais on agit bien évidemment, et on agit, on trouve des solutions, mais on avance. Pas vraiment quelque chose de processé, et c'est vraiment notre axe de progrès que là on souhaite mettre en place, et c'est pour ça qu'on a décidé de s'associer à Solidarité Femmes, parce qu'avec leur expertise du sujet et nous, bien évidemment notre expérience d'entreprise, on souhaite pouvoir identifier les meilleures solutions opérationnelles pour répondre à chacune des problématiques, mais en intégrant finalement cette problématique dans les différages, dans les processus. Et je crois que c'est ça qui est essentiel pour pouvoir répondre de manière la plus opérationnelle à une difficulté d'un de nos collaborateurs. Donc, globalement, la formation des managers, nous, c'est notre action 2021. OK. Alors, est-ce qu'il y a encore une autre question éventuellement? Voilà, moi j'en ai une. C'est un peu ma marotte, hein, l'écosystème, les parties prenantes, c'est même dans mon titre. Comment justement ça réagit du côté de vos fournisseurs? Est-ce que l'information est passée ou est-ce que c'est justement l'objet de
l'étape suivante peut-être de faire en sorte de les embarquer dans l'aventure? Alors, pour vraiment une étape importante, parce que vraiment en termes de RSE, ce qui est important, c'est aussi d'avoir un écosystème global. On met quand même une priorité pour l'instant sur nos collaborateurs et après, bien évidemment, on l'étendra à toutes les parties prenantes autour de nous. Ça a provoqué des réactions en interne? Vous avez eu des commentaires de collaboratrices, de collaborateurs ou de managers? Comment ils ont vécu cet engagement très fort sur un sujet dont par principe on ne parle jamais? C'est vraiment que des réactions positives qu'on a eues de nos collaborateurs. Et vraiment, je crois qu'on arrive à embarquer beaucoup d'hommes aussi sur le sujet. Et c'est important pour moi, en tout cas, et pour mon équipe, que justement, on puisse avoir des hommes qui parlent de ce sujet-là et pas que des femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise aussi pour d'autres sujets dans l'entreprise, comme la lutte contre le harcèlement sexuel ou les agissements sexistes. On veut pas que ce soit une cause de femmes pour les femmes, mais vraiment embarquer un collectif pour s'engager sur le sujet. Mais j'ai eu aucune réaction négative du sujet, aucune incompréhension de pourquoi l'entreprise décide de s'attaquer à cette thématique et vraiment que des retours extrêmement positifs. Mais vraiment, encore une fois, quoi, nous, on est vraiment le reflet de la société française. On est implanté partout en France. Notre population salariale, c'est vraiment la population au cœur, autour du magasin. Et malheureusement, on est confronté à ces situations. Je ne dirais pas régulièrement, mais en tout cas, c'est quelque chose, quand on en parle avec nos opérationnels, avec nos directeurs de magasin, c'est pas rare d'avoir un directeur de magasin qui nous dit « Oui, moi, j'ai déjà reçu une femme de mon équipe en pleurs dans mon bureau et qui me faisait part de cette situation. » Donc, c'est aussi une réponse, en fait, à des situations qu'ils vivent. Donc, il y a forcément des retours extrêmement positifs, en fait, d'engagement de l'entreprise sur ce sujet-là. D'accord. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, déjà le slide qui est passé en avance, notre intervention suivante. Catherine, il y a quelques questions dans le chat. Ok, je regarde. Donc, Priscilla, nous avons répondu sur la formation. Bon, Clara, moi, je n'en vois pas d'autres, si ce n'est si le replay sera disponible. Oui, le replay sera disponible. Clara, si tu en as d'autres qui sont peut-être arrivés que je ne vois pas. Oui, une question de Marie. Y a-t-il un retour des associations qui ont bénéficié des locaux dans les hyper pendant le confinement? Ont-elles accueilli beaucoup de femmes? Élodie, est-ce que vous avez une visibilité là-dessus? Alors, moi, je n'ai pas forcément la visibilité du nombre de personnes qui ont été accueillies. Il y a des chiffres qui ont été communiqués par le gouvernement, mais je ne les ai pas en tête. Je ne voudrais pas dire de chiffres erronés. Mais en tout cas, ça a été, même si le chiffre paraît peu, quoi, moi, je trouve que c'est vraiment toujours des femmes qui ont pu être accompagnées, accueillies ou en tout cas orientées. Et je crois que c'est ça l'important. C'est un premier pas, finalement, vers un accompagnement futur. Et je crois que ce relais est essentiel et qu'il faut le maintenir dans l'ensemble de nos centres commerciaux. Après, nous, on n'a pas forcément de relais avec cette association-là. Bien évidemment, le directeur ou la directrice de magasin est en lien direct avec cette association-là, mais on n'a pas les retours quantitatifs, entre guillemets, de ces associations au niveau de nous, Carrefour. Ok, alors il y a une autre question, mais qui, pour le coup, concerne peut-être tout le monde, enfin, en tout cas, tous nos intervenants, donc je ne sais pas si elle est spécifique pour Carrefour sur le fait que quelles actions à mener dans une entreprise composée majoritairement d'hommes? Alors, Élodie, vous avez un peu répondu en disant que beaucoup d'hommes s'engageaient. Doit-on faire un distinguo entre les hommes et les femmes face à ce sujet? Alors, moi, j'ai une première réponse à vous donner parce que nous, on a un secteur donc, qui est la logistique chez Carrefour qui est composé de 85% d'hommes. Et dans un de mes groupes de travail, justement, j'ai interrogé ce format-là pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait sur ce format-là? Comment on communique? Et j'ai eu une réponse en opérationnel que je vous communique telle qu'elle et qui m'a dit, il ne faut pas hésiter à mettre des messages de prévention partout pour que aussi les potentiels hommes auteurs sentent finalement que les taux se resserrent et que de toute façon on en parle davantage et que nous en tout cas on est une entreprise engagée et qu'on ne laissera rien passer.
Je trouve que c'est une jolie réponse de dirigeant qu'a fait ce collaborateur. Oui. Bien, alors pour garder le timing, s'il n'y a pas d'autres questions véritablement spécifiques sur votre intervention, on va continuer. Merci beaucoup Élodie, merci Groupe Carrefour, qui je rappelle a été l'un des premiers à rejoindre le programme SEASE et le réseau One Three Women, et donc signataire, on reparlera de la charte tout à l'heure. Alors, toujours dans cette logique, hein, ce webinaire a surtout un objectif de donner des pistes de réflexion, des clés pour s'engager, de comprendre pourquoi il faut y aller, comment y aller, en respectant toujours, bien sûr, la culture de l'entreprise qui n'est jamais la même d'une entreprise à une autre. Alors là, je voudrais maintenant qu'on aille faire un petit tour en Occitanie. Christelle Martinez, qui est présente physiquement. Bonjour Christelle. Donc, vous êtes directrice du développement des entreprises du groupe EDF en Occitanie. Alors, je sais que vous avez une action concrète à nous partager qui a été mise en place par le groupe pour aider les salariés victimes de violences conjugales. C'est à vous pour 7 minutes. Merci. Oui, bonjour. Donc, moi, aujourd'hui, le but de mon intervention, c'est de vous présenter un peu ce qu'on a pu faire au niveau du groupe EDF. C'est une action qu'on a commencé à développer en 2018 et aujourd'hui, le thème de la violence faites aux femmes dans la violence conjugale a été intégrée dans notre accord égalité femmes-hommes depuis 2019. Donc c'est vraiment une action forte qu'on porte et qu'on revendique, on va dire, au sein du groupe, cet accompagnement de nos collaborateurs et nos collaboratrices, parce qu'il y a aussi quelques hommes. Le parti pris de l'entreprise, voilà, ça me va bien. Juste avant, hop, le slide d'avant. Voilà. Le parti pris de l'entreprise, ça a été de faire un point sur les dispositifs existants dans l'entreprise et comment on pouvait aujourd'hui flécher des dispositifs déjà existants et les mettre à disposition de ces femmes victimes demain dans un souci de simplicité, de facilité pour elles demain quand elles se retrouvent en difficulté, mais aussi pour nos managers. Donc le parti pris, c'était de voir comment on pouvait faciliter la prise en charge par les managers de cette problématique. C'est pas toujours simple pour un manager que d'accueillir dans son bureau une femme qui est victime de violence parce qu'il ne sait pas quoi faire, parce qu'il peut avoir une réaction très affective qui n'est pas souhaitée, parce que même lui peut se sentir investi d'une responsabilité et ça peut le mettre en difficulté ou en danger psychologique lui aussi. C'était pas l'idée. Donc le but, c'est qu'on s'est dit on va créer des outils qui vont faciliter tout ça pour la collaboratrice, pour le manager demain, où il sait très bien que pour des problèmes d'absentéisme, il a des codes de congés qu'il connaît, qu'il peut imputer, etc. etc. Donc vraiment l'idée, c'était de faciliter ça pour tout le monde. Après, le deuxième parti pris, c'est que on n'est pas des professionnels de ce problème-là, on ne sait pas le gérer, ou en tous les cas, il y a des professionnels qui le gèrent bien mieux que nous. Donc, l'idée, c'était le recours à des professionnels de l'accompagnement, soit nos assistantes sociales. Aujourd'hui, on a un réseau d'assistantes sociales dans l'entreprise qui sont des prestataires. Et la porte d'entrée pour une femme victime de violences conjugales, c'est l'assistante sociale de l'entreprise qui connaît parfaitement le dispositif et qui peut flécher donc, cet accompagnement, soit sur du logement, soit sur de l'aide administrative, soit des rencontres aussi avec des associations avec lesquelles on a des partenariats. Donc le deuxième parti pris, c'était ça. On a un réseau des professionnels de l'accompagnement et ce sont les assistantes sociales. Le troisième parti pris, on en a déjà beaucoup parlé ce matin, c'est la communication pour libérer la parole. Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que de placarder le 3919 à côté de la machine à café pour montrer que l'entreprise est consciente de ce problème-là et que l'entreprise peut accompagner la collaboratrice, eh ben, ça peut la rassurer, ça peut la mettre en confiance et libérer sa parole. Donc c'était ça, ces trois grands partis pris. Vous voyez, on a donc développé des points autour des aides administratives, de la mobilité, le logement, les aides sociales. Donc au niveau, on va les passer au niveau des aides administratives dans le slide suivant. L'idée, c'était de se dire, c'est quoi qui existe dans l'entreprise qu'on pourrait mettre à disposition pour aider la collaboratrice
Parce qu'aujourd'hui, des collaboratrices victimes, il faut les aider quand elles sont en situation d'urgence. On s'est retrouvé avec des collaboratrices qui étaient en fuite de chez elles un soir, et là, il a fallu qu'on mette en place tout un système d'accompagnement dans l'urgence, dans l'heure, etc., etc. Mais il y a aussi le fait de les aider à... de façon un peu triviale, préparer un départ, recueillir des informations, des papiers, des choses comme ça. Souvent, elles n'ont même plus ça. Donc nous, par exemple, un point que je voulais partager avec tout le monde parce qu'il est assez facile à mettre en place, c'est le fameux coffre-fort numérique dans lequel il y a les salaires de l'entreprise. Et bien aujourd'hui, ce coffre-fort numérique, il peut être utilisé pour recueillir le RIB, pour recueillir des papiers, scanner déjà ses papiers d'identité, etc., etc., pour que la personne ne se retrouve pas complètement sans aucun papier, sans aucun document officiel quand elle part de chez elle. Et ça, notre gestion de contrat de travail peut aider à l'ouverture d'un nouveau compte bancaire, etc., etc. Donc voilà, il y a des choses assez simples qui peuvent se mettre en place assez rapidement et qui, à mon sens, peuvent être à la portée de toutes les entreprises. Sur les autres types d'aide ou d'accompagnement sur lesquels je voulais parler rapidement, c'est sur les slides suivantes. Laurence Drac tout à l'heure a parlé ou je ne sais plus si c'est de Laurence Drac, mais le harcèlement, on peut protéger la collaboratrice du harcèlement dans l'entreprise, mais par contre à l'extérieur de l'entreprise, c'est pas toujours simple également. Et on peut, nous, ce qu'on a mis en place, c'est des systèmes où on peut changer les horaires, on peut lui faciliter du travail sur site distant. Donc ça veut dire que la personne, son harceleur, pense qu'elle travaille sur le site A, et ben non, on l'a déplacée, elle est sur le site B, et résultat, le travail et le lieu de travail est une espèce de refuge dans lequel elle peut passer sa journée quiétude. Et ça peut, n'oublions pas hein, que la valeur travail, quand une personne est victime de violences conjugales, elle n'a plus aucune estime de soi. Et la valeur travail peut être un moyen de lui redonner une certaine estime, lui montrer qu'elle est utile, qu'elle est performante, qu'on est là pour l'accompagner, mais que ça n'est pas une moins que rien, entre guillemets. Donc, le fait de la déplacer, lui permettre de travailler dans des conditions favorables, pour nous, c'est aussi une façon de l'accompagner dans la reconquête de son estime d'elle. Donc, je vous passe assez rapidement parce qu'on a assez peu de temps. Au niveau des prises des aides financières, on a mis en place tout un système où, aujourd'hui, notre plan d'épargne entreprise, eh ben, on a réussi à faire en sorte que la condition de femme victime de violences conjugales est un des points qui permet de débloquer les fonds disponibles sur notre plan d'épargne entreprise, en plus du déménagement ou des choses comme ça. Donc, on a vraiment essayé de faciliter le dispositif avec des éléments qu'on avait déjà et qu'on fait évoluer pour être beaucoup, beaucoup plus simple pour tout le monde. Et ensuite, sur les autres thèmes, notamment sur les slides suivants, hop, il y a l'aide au logement, donc, juste avant. L'aide au logement, donc ça, on le parle, on travaille avec notre comité d'entreprise. On a des marchés cadres auxquels on peut faire bénéficier la personne pour qu'elle puisse se reloger facilement. Et là, on travaille, bien évidemment, avec des associations spécialisées dans le logement, Palais de la Femme, etc., etc. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais par contre, on peut créer, comme on l'a déjà dit, un écosystème qui soit favorable et qui réponde à toutes les problématiques de la personne. J'ai déjà parlé de la mobilité, donc je passerai à la slide suivante. Et un point tout à l'heure, voilà, c'est Laurence Drac qui parlait de cyberharcèlement. On le voit bien, une personne qui est au travail, nous voilà, on a vraiment cette volonté que le lieu de travail soit une espèce de valeur refuge où elle peut reconquérir son estime, repartir dans la performance, etc., etc. Et clairement, le cyberharcèlement, c'est un vrai, vrai problème. Et bien aujourd'hui, dans notre SI,
on a réussi à faire en sorte que la personne puisse s'anonymiser. Donc, il y a un changement d'adresse mail. Il peut lui envoyer des millions de mails. Elle a changé de mail et ça, c'est un mail professionnel. On peut aussi doter de façon temporaire un smartphone, un ordinateur, etc., etc. Parce que la personne, il faut quand même qu'elle puisse bénéficier de tous ses équipements informatiques pour pouvoir faire les démarches nécessaires à du relogement, à changer de compte bancaire, etc., etc. Donc, c'est vraiment important l'équipement informatique. Et ça, on a la possibilité de doter notre collaboratrice de tout ce nouvel équipement qui lui permet d'éviter le harcèlement, les textos, les appels intempestifs, etc., etc. Il faut savoir qu'en règle générale, une femme qui est en situation d'urgence, elle a effectivement de gros problèmes financiers et repartir pour s'acheter un ordinateur, pour prendre un abonnement pour un smartphone, etc., etc. C'est pas toujours simple. Et donc ça, on met ça à disposition et encore et toujours, ça la rassure, ça crée une espèce de contexte bienveillant de la part de l'entreprise qui, nous l'espérons, lui permettra de sortir de ce cercle infernal. Et le troisième point auquel j'ai fait référence, c'est tout ce qui est communiqué pour libérer la parole. Donc, on a vraiment une grosse campagne régulière de communication. Pas plus tard qu'hier, notre équipe RH a envoyé pour l'Occitanie, mais c'est dans toutes les structures d'EDF pareil, une grosse communication sur cette semaine donc, de lutte contre les violences conjugales, où on rappelle tout le dispositif qui est mis en place au sein d'EDF, le numéro vert national, le 3919, les coordonnées des assistantes sociales. On a un livret, donc violences conjugales et intrafamiliales pour les salariés, qui est sorti. On valorise tout ça et comme le soulignait de monsieur de Carrefour, qui a eu une très très bonne remarque, c'est que c'est aussi une posture que l'on a de dire « Mesdames, si vous êtes victime, l'entreprise est là. Et messieurs, si vous êtes un harceleur, l'entreprise est là aussi. » Enfin, c'est pas de là. Je pense que cette posture aussi forte de la part d'une entreprise pour dire qu'on lutte contre les violences conjugales, c'est aussi un message pour les victimes, mais aussi pour les harceleurs. Je vous ai mis, juste parce que je sais que les slides seront partagés auprès de tout le monde, je vous ai mis la petite plaquette qu'on a rédigée, voilà, qui est à disposition de tout le monde au sein de l'entreprise, avec derrière un QR code, ce QR code, quand il est flashé, la personne peut retrouver tout le listing des assistantes sociales de l'entreprise qui peuvent les accompagner dans cette démarche-là. Donc vraiment, on a cette volonté de le manager peut accompagner les personnes victimes de violences conjugales, mais l'assistante sociale est vraiment là pour déployer tout le dispositif et faire remonter les vraies difficultés au sein de l'entreprise. Une personne victime de violences conjugales peut aussi, dans un premier temps, ne pas avoir la force d'en parler à ses collègues ou à son manager. C'est pour ça qu'on a mis en place aussi ce réseau d'assistantes sociales en se disant que peut-être c'était cette première porte qui était plus simple pour elle que d'en parler à des collègues ou à un manager. C'est pas toujours simple. Voilà très rapidement ce qu'on a pu mettre en place sur des idées. Vous voyez, on a des idées plutôt simples et puis des choses un peu plus complexes, mais qui, je l'espère, pourront inspirer certains d'entre vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Christelle. Personne n'entend. Alors, avant d'attaquer le suivante, on va prendre quelques questions. Alors c'est intéressant, évidemment vous êtes un grand groupe et il y a longtemps que vous êtes engagé, Yann Léaké de EDF au siège a fait partie des entreprises auditionnées dans le cadre de la suite des Grenelles des violences pour lesquelles face avec la présidente Une femme à toi et Elisabeth Richard-Engie, nous avions fait auditionner avec l'administration un certain nombre d'entreprises engagées
dans le cadre du groupe de travail spécifiquement sur l'impact des violences conjugales au travail. Alors, il y a plusieurs questions. Il y en a une effectivement sur le déblocage du plan d'épargne. Oui. La personne disait, bon, c'est compliqué quand même, c'est intéressant, mais comment on peut faire quand on sait que ces violences ne sont pas visibles? Comment réussir à vraiment l'activer au bénéfice de ces femmes victimes? Je ne retrouve pas j'ai une coupure, je ne le vois plus. La question précise. Si Clara... Oui, l'idée, ça ne serait pas qu'elle débloque de l'argent pour le donner à son bourreau, entre guillemets, quoi. J'imagine que c'est ça. Donc aujourd'hui, ce dispositif, effectivement, comme je disais à nous, c'est les assistantes sociales qui mettent en place tout un système de suivi d'accompagnement. C'est elles qui donnent le go pour lancer certains dispositifs. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a lancé cette année, donc on n'a pas encore de recul puisqu'on fait des points annuels. Mais l'idée, ça serait vraiment de pouvoir débloquer cette somme d'argent-là quand la personne, elle est déjà sortie du système, elle est déjà relogée et elle est déjà en dispositif un peu de sortie. On ne va pas faire ça sur quelqu'un qui est encore chez son bourreau, encore en difficulté, etc. etc. Donc voilà, ça c'est par exemple un dispositif à mon avis qui est très intéressant. La personne qui a posé la question, on peut aussi après en discuter de façon un peu plus opérationnelle si c'est vraiment quelque chose qui est dans vos réflexions. Mais effectivement, ça c'est quelque chose qui a nécessité des mois de réflexion et d'évolution. C'est un dispositif qui a été un peu lourd, mais qu'on a pu mettre en place, et c'est vraiment pour leur permettre après de, bah, quand elles sont relogées, pouvoir s'équiper à nouveau, acheter, je ne sais pas moi, des lits, des canapés, vraiment dans une logique de relogement de ce côté-là. Tout à fait. Ça répond à la question. Est-ce que c'est peut-être trop tôt de faire les statistiques, de savoir combien vous avez de personnes qui ont bénéficié de toutes ces mesures d'accompagnement, tout accompagnement confondu? Oui, c'est un peu tôt parce que, comme je le disais, hein, tout cet accompagnement, on l'a mis en place et on l'a intégré dans notre accord égalité femmes-hommes qui date de 2019. Donc, on a eu le retour fin 2019 des premiers mois de mise en place. Et pour l'année 2020, nous n'avons pas encore le retour puisque le retour que l'on fait avec les associations, les assistantes sociales, c'est un retour annuel parce que le but, c'est pas de savoir qu'on... Enfin, en tous les cas, c'est pas un indicateur clé, le nombre de personnes qui bénéficient de ça. Mais voilà, on fera un retour en fin 2020 sur l'accompagnement global sur une totale année. L'an dernier, on avait eu de mémoire, mais c'était le départ du dispositif, on avait eu une cinquantaine de personnes, de femmes qui avaient fait appel à ce dispositif. Et pour 2020, on n'a pas encore ce point-là, puisqu'on ne l'a pas demandé et on le demandera plus tard. On espère que la crise sanitaire que nous traversons n'aura pas eu des conséquences fortes sur ces femmes-là et sur l'appel à ce dispositif. Alors, c'est très clair que les personnes qui sont retrouvées en télétravail, pour le coup, sont isolées. Et ce n'est pas les quelques visio-calls de travail qui permettent vraiment de repérer de la même manière s'il y a une fragilisation. C'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure, j'ai pas trop parlé de télétravail, j'ai surtout parlé de site distant, c'est-à-dire qu'on déplace la personne, mais la personne, elle continue à venir travailler pour parfois la sortir de cette sphère infernale que peut-être le télétravail. On est d'accord. Clara, est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on continue. Pas d'autres questions pour le moment? Non, pas d'autres questions. Ok, merci à toi. Merci. Alors, on va changer de taille d'entreprise. Bon, en revanche, on va être quand même dans une zone, puisque c'est grâce à FASGAR que nous allons pouvoir avoir l'intervention suivante du groupe BRL. Donc, Anne-Emmanuelle Rousseau, qui est la directrice juridique de la responsabilité sociale de BRL. Alors, la question de la sensibilisation des collaboratrices, collaborateurs, on en a parlé tout à l'heure. C'est aussi un enjeu extrêmement important, bien sûr, pour lutter contre ces violences conjugales. Des formations où on apprend à repérer ces fameux signaux faibles
pour en capacité d'écouter une collègue ou une collaboratrice qui est victime de violence. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir, une fois encore sans être intrusif? Comment on peut faire une prise en charge précoce de la victime? Dites-nous, Anne-Emmanuel Rousseau, comment ça se traduit chez vous la question de la sensibilisation de vos collaborateurs au sein du groupe BRN? Bonjour Catherine, merci de nous passer la parole aujourd'hui. Juste quelques éléments de repère pour indiquer dans quel métier nous intervenons, de façon à ce que nos auditeurs puissent et auditrices puissent se repérer par rapport à cela. Nous sommes donc une ETI de 800 personnes périmètre monde, à peu près 680 périmètre France, qui intervient, composée donc d'un groupe de sociétés, qui intervient dans les domaines de l'eau et de l'environnement, dans les métiers de l'eau et de l'environnement. Donc nous avons à la fois des métiers qui sont des métiers d'ingénierie, des métiers qui s'exercent plutôt dans des bureaux ou plutôt sur des déplacements chez les clients, mais également une partie de métiers de terrain. Et notre effectif est composé environ à 32% de femmes, donc avec peut-être plus de femmes sur les métiers qui sont les métiers de bureau et peut-être un petit peu moins sur les métiers de terrain. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur l'ensemble de ces sujets. Je crois que le premier message à passer, c'est en tout cas sur des entreprises de la taille de la nôtre, c'est the tone at the top. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une volonté forte et un engagement fort de la part du dirigeant et de l'équipe de direction d'aller dans ces orientations-là, c'est difficile d'agir et de sensibiliser au sein de l'entreprise. Au niveau du groupe BRL, on a adressé cette problématique des violences conjugales et familiales depuis pas mal d'années déjà, puisque dès 2013, nous avions signé, notre dirigeant Jean-François Blanchet avait signé la charte régionale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui avait été mise en place par l'ex-région Languedoc-Roussillon, qui depuis est devenue, a fusionné pour devenir la région Occitanie. Nous avons signé également, dans le cadre du programme CIS, la charte dont je crois vous allez dire quelques mots un petit peu plus tard. Nous l'avons signé également en 2020 et j'ai été très satisfaite de voir la Fondation FACE l'an dernier lancer et s'engager, en tout cas sur notre territoire, dans le programme CIS, puisque cette notion du rôle de l'entreprise dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales et familiales était quelque chose dont nous étions intimement convaincus depuis longtemps. Et toute la difficulté, ça a été dit, c'est comment arriver à équilibrer entre rentrer dans quelque chose qui relève de la sphère intime, familiale, très très personnelle, très douloureuse dans tous les sens du terme, tout en restant effectivement dans un rôle d'employeur sans être trop intrusif. La clé, une des clés, elle a été également évoquée, c'est bien entendu la communication. J'ai beaucoup aimé le propos qui a été ramené par Carrefour sur le fait de diffuser les messages permet également aussi de faire comprendre aux auteurs, aux harceleurs, que l'étau se resserre. Voilà, c'est le terme qui a été employé. Et ça, c'est effectivement très important. Ça fait partie aussi des sujets. Le fait de communiquer sur ces sujets, y compris dans l'entreprise, permet, en tout cas je l'espère, de faire comprendre aux uns et aux autres, d'en parler aussi entre les uns et les autres, de faire comprendre que non, ces comportements-là ne sont pas des comportements normaux. Et ça, c'est très important. Ça permet également, évidemment, à la victime de peut-être, enfin en tout cas, je l'espère, se sentir plus légitime à l'évoquer avec la sphère ressources humaines ou sa sphère managériale. Ça permet également aux managers de pouvoir repérer peut-être par des petits signaux faibles, des tout petits signaux faibles, un absentéisme un petit peu plus fort, un changement de comportement chez une victime, un enfermement qui se met en place, de repérer peut-être des signaux sur lesquels il va pouvoir essayer en tout cas d'agir. Grâce à FASGAR et Marie Cambon, qui en a été la cheville ouvrière, nous avons pu mettre en place cette semaine deux sessions de sensibilisation par visioconférence, crise sanitaire oblige, sur lesquelles donc Marie a pu présenter aux collaborateurs qui étaient intéressés et sensibilisés au sujet
justement comment on peut agir, comment on peut écouter, comment on peut rappeler un certain nombre de numéros d'urgence, de mise en relation avec des acteurs qui peuvent permettre à l'entreprise et aux collègues et managers d'appuyer la victime. Cette visioconférence sera accessible sur notre site intranet également en replay, de la même façon que le diaporama préparé par Marie. Régulièrement aussi, nous faisons des affichages dans les lieux collectifs. Christelle Martinez parlait de la machine à café. Ça, c'est clair que c'est un excellent lieu pour communiquer là-dessus, mais également et très régulièrement, nous faisons des rappels avec des messages intranet, avec des messages sur notre fil d'actualité sur ces sujets-là. De façon peut-être un petit peu plus concrète, je souhaitais également aborder auprès de vous un cas qui remonte déjà à quelques années, que je vais essayer d'anonymiser le plus possible pour des raisons que tout le monde comprendra, comment a pu concrètement être traité un sujet assez complexe de violence et comment ce que nous avions déjà mis en place depuis 2013-2014, à savoir la communication également régulière des numéros d'urgence, des numéros aussi de contact des associations locales telles que le CIDFF par exemple, mais également d'autres relais et d'autres supports, a pu nous aider à traiter très concrètement un cas particulier de l'une de nos collègues qui était sur un territoire d'outre-mer et qui s'est trouvée victime. La particularité d'un territoire d'outre-mer, c'est que c'est un petit territoire et qu'il y a encore peut-être moins de possibilités de se mettre à l'abri sur ce genre de territoire que ça peut être le cas en métropole. Et là, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Le repérage s'est fait par une de ses collègues de travail à qui elle en a parlé parce qu'elle la connaissait bien, elle déjeunait régulièrement avec elle, qu'elle a senti les petits signaux faibles dont je parlais tout à l'heure, qu'elle a donc pu, par ce biais-là, identifier, arriver à la faire parler. Et que, ayant eu connaissance de cette situation, elle a eu le réflexe immédiat d'en parler à son manager. Et le manager a eu le réflexe également immédiat d'en référer au siège, au siège du groupe Anime. Et ça, je commençais mon intervention en parlant de Tone at the Top, sans effectivement cet engagement très très fort au niveau du top management, je pense que ça ne se serait pas produit. Je pense qu'effectivement, toute cette situation n'aurait pas pu remonter et nous n'aurions pas pu essayer de mettre en place ce qui a pu être fait. Cette personne, on était hélas dans une situation extrêmement classique de harcèlement par SMS, de harcèlement par mail, de harcèlement aussi sur le site du travail, c'est-à-dire que son harceleur a commencé ensuite à la suivre, à venir, à faire des menaces également sur le lieu de travail. Il lui a classiquement volé ses papiers d'identité. C'était une personne qui avait un enfant en bas âge. Et à un moment, donc, la question s'est posée pour pouvoir la protéger, d'envisager de pouvoir lui faire quitter le territoire d'outre-mer sur lequel elle se trouvait et d'envisager donc pendant quelques semaines ou quelques mois de pouvoir l'intégrer dans nos équipes du siège. Donc là aussi, très vite, on a regardé ce qui était faisable. Donc on a identifié un poste qui pouvait lui être proposé. Mais s'est posée la question de comment faire en urgence les papiers d'identité puisqu'elle ne les avait plus. Et là aussi, la question du réseau a été très importante puisqu'à l'époque, je me suis mise en relation avec la déléguée départementale du droit des femmes du territoire du Gard, qui m'a immédiatement mise en relation avec son homologue sur le territoire concerné, qui immédiatement est intervenue pour lui donner des contacts d'abord d'avocats pour qu'elle puisse se faire appuyer. Elle avait déjà fait de multiples dépôts de plaintes et mains courantes, mais les victimes ont beaucoup de mal en fait à organiser, à structurer leur action, c'est très compliqué. Donc là, elle a pu effectivement avoir ce contact-là pour être appuyée là-dessus et on a pu effectivement accélérer l'obtention de ses papiers d'identité. Il lui a ensuite été proposé de pouvoir rejoindre la métropole pour se mettre à l'abri quelque temps. Après un certain nombre d'hésitations, elle a finalement renoncé à venir sur le territoire de la métropole parce que sa famille était présente là-bas et elle a préféré rester
avec l'appui de son environnement familial plutôt que de venir sur la métropole. Mais ce qui est important dans ce que je dis, ce n'est pas que ça a été fait ou pas fait, c'est qu'on a pu le rendre possible. Et ce que je tiens à dire également, c'est que dès lors que se met en place en fait cette chaîne de réflexion commune, cette chaîne d'échange au niveau des collaborateurs, du management, tout en gardant la discrétion nécessaire bien sûr, hein, parce qu'il n'a pas été du tout question d'en faire un sujet collectif, on a gardé le plus possible la confidentialité, l'anonymat de cela, mais on a activer les bonnes personnes qui pouvaient regarder et nous aider à traiter le sujet en interne dans l'entreprise de façon à pouvoir rendre un certain nombre de choses possibles. Et ce que je veux dire là, c'est que on n'est pas obligé effectivement d'être une entreprise de taille très importante. Ce qui compte, c'est vraiment cet engagement-là, cette communication, cette sensibilisation. Je reviens un petit peu sur les interventions qui ont été faites par Marie Cambon hier. On a eu pas mal de participants, un très bon niveau de participants à ces deux sessions de sensibilisation. Et on a eu la satisfaction de constater qu'il y avait beaucoup d'hommes également. Donc, et ça, je rejoins aussi ce qui a été dit tout à l'heure, la lutte contre les violences conjugales et familiales ne doit pas être qu'une affaire de femmes. D'abord parce qu'il existe aussi quelques hommes victimes, c'est plus anecdotique, mais ça existe quand même. Mais parce que vis-à-vis des femmes et des enfants qui sont victimes de ces violences, il y a bien des auteurs à un moment. Et ces auteurs, ce sont souvent des hommes, et très souvent des hommes. Et cela doit du coup être forcément l'affaire de tous. C'est-à-dire qu'on est toutes et tous concernés. Et vraiment, cette satisfaction de voir présent à ces sessions de sensibilisation des hommes et particulièrement des managers nous a vraiment confortés dans l'orientation que nous prenons sur ces actions-là. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Bon, allez, on dépare un peu le timing, mais on va tenir quand même. Je regarde s'il y a éventuellement des questions. Alors, une question qui était peut-être dédié à EDF, mais comment effectivement les IRP sont associés au-delà de la négociation de l'accord égalité? Est-ce qu'entendu, du coup, vous voulez répondre à cette question? Parce que sur l'accord égalité, ce n'est pas systématique. On a quelques entreprises qui le mettent véritablement, mais ce n'est pas encore forcément à l'ordre du jour. Pour l'instant, on n'a pas complètement adressé le sujet avec l'intervention des IRP, mais c'est une vraie question. Les IRP sont extrêmement intéressés par ce qui est conduit au niveau du groupe BRL sur ces questions de lutte contre les violences. Et il est évident que dans les prochains mois à venir, il y aura des échanges avec eux pour voir là aussi comment eux peuvent appuyer. Pour l'instant, on n'a pas vraiment structuré de choses particulières. Je ne sais pas si ça a été le cas sur les autres entreprises au niveau des ERP, au-delà effectivement de l'accord égalité. Mais c'est effectivement une piste de réflexion et on voit par les retours que nous avons des IRP qu'il y a un réel intérêt et un très fort intérêt des IRP sur ces sujets. Alors, il y a une question, une fois encore, bon, elle concerne un peu tous nos intervenants. Comment ça se passe quand la victime se confie mais n'a pas envie d'aller plus loin et d'entamer une démarche? Est-ce que vous avez déjà été confronté, puisque vous présentez un cas particulier, donc des personnes qui acceptent de passer ce frein terrible d'autocensure, de femmes qui se sentent victimes, enfin qui se sentent coupables, alors qu'elles sont victimes. Comment vous le gérez? Alors, ça, c'est un sujet qui est très difficile, c'est un sujet qui dépasse aussi le stade strictement professionnel, puisque dans les vies privées, dans les contextes familiaux, on peut également être confronté à cela, hein, des victimes qui se confient, qui ouvrent la porte de la confidence, mais qui derrière ne veulent pas agir. Et c'est assez culpabilisant, d'ailleurs, pour la personne, pour l'écoutant, de ne pas arriver à agir. Et dans le cadre professionnel, c'est particulièrement complexe, puisque on est sur ce fragile équilibre entre la vie privée et le respect de la vie privée, et effectivement, le fait que, en tant que collègue ou en tant que manager, les deux statuts ne sont pas tout à fait les mêmes d'ailleurs, hein, sur cette approche-là. On a envie et on se sent aussi quelque part responsable d'agir et coupable de ne pas y arriver. Donc, pour cela, nous, la communication que nous faisons, c'est de
d'essayer d'amener la personne au moins à prendre des contacts avec un certain nombre d'acteurs sur le terrain, donc une assistante sociale. Alors nous, on n'a pas la chance d'en avoir un en interne, mais ça peut être le cas à l'extérieur, le 3919. Et pour les témoins, pour les écoutants, nous les invitons, moi je les invite aussi à contacter le 3919, parce que le 3919, de ce que j'ai compris, est d'abord un numéro évidemment pour les victimes elles-mêmes, mais ce numéro peut aussi être extrêmement utile à des témoins, que ce soit des témoins familiaux ou d'entreprise. Pour les managers, là aussi, on est encore sur une dimension un petit peu plus particulière, parce que le manager a aussi la responsabilité d'accompagner son collaborateur en termes de développement professionnel. Mais là, on rentre à nouveau sur un sujet qui est un petit peu plus personnel. Sujet personnel qui peut pourtant impacter, comme on l'a vu au travers de tous les témoignages et les présentations de ce matin, qui peut également impacter la sphère professionnelle. Et là encore, moi, ce que j'invite les managers à faire, c'est effectivement de prendre contact avec la sphère RH, d'abord chez nous, bien sûr, s'ils le souhaitent, pouvoir échanger avec des acteurs professionnels du sujet et surtout pouvoir amener leurs collaboratrices à prendre ces contacts-là de façon directe, même si la personne ne veut pas directement déposer une plainte ou directement engager une action. Je pense que c'est, on le sait toutes et tous, ces sujets des violences conjugales, les victimes ne mettent pas en place immédiatement les actions. Et on sait qu'il faut souvent du temps et qu'il faut, hélas, souvent de la récidive pour leur permettre non seulement de libérer la parole, qui est un premier pas, mais ensuite aussi de libérer l'action. Je pense aussi que plus on en parle, et je l'ai dit, mais plus on en parle et plus on essaye en fait de rendre le fait d'agir et d'écouter naturel, et peut-être aussi plus on rend légitime et naturel pour ces personnes de se mettre dans l'action. Voilà, en tout cas, je vous espérais. Parfait. On est entre l'espoir et le travail qu'on doit continuer à faire et le plus possible de déployer ces initiatives, d'en parler autour de nous. On est un peu contraint par le temps, je vais être obligée de couper un peu les questions, si vous en avez d'autres, mais posez-les comme malgré tout sur le chat et on fera en sorte d'y répondre même a posteriori. Alors, on va enchaîner avec une autre initiative, et là, c'est du côté de FastBar. Voilà, on n'a pas fait tous les clubs, mais on en fait quelques-uns. On reste quand même toujours dans une même zone sud-est pour le moment. Alors, j'évoquais le logement tout à l'heure, qui est un véritable enjeu. Nous avons quelqu'un qui va vous parler du projet 10 000 logements, avec le bailleur social Eria. C'est aujourd'hui Julie Etienne, qui est la conseillère en économie sociale et familiale à l'agence de Toulon, qui va effectivement vous la présenter. Vous avez 7 minutes aussi en essayant effectivement de les garder. Pour respecter. Bonjour, merci. Donc effectivement, je suis conseillère en économie sociale et familiale au sein de l'agence de Toulon, chez Erilia, le bailleur social. Du coup, je vais vous présenter deux actions, puisqu'Erilia est engagée, et l'agence de Toulon notamment, autant en tant qu'entreprise, dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales et de la mise à disposition d'actions auprès des collègues qui pourraient y être confrontés. Et effectivement, du coup, l'action des 10 000 logements accompagnés qui a été mise en œuvre l'année dernière dans ce cadre-là. Donc ma fonction au sein de l'agence de Toulon me permet finalement d'être un petit peu sur les deux volets, à savoir de pouvoir me mettre à disposition de mes collègues en tant que travailleur social, alors que ma mission principale est d'être à disposition de nos locataires qui rencontrent des difficultés d'ordre financier ou autre. Voilà. Donc Erilia est un bailleur social effectivement présent sur le territoire national avec près de 61 000 logements gérés. Ça représente 17 agences et 890 collaborateurs. Sur l'agence de Toulon, puisque c'est le focus que l'on fait aujourd'hui, sur le territoire du Var, avec une agence à Toulon et une antenne à Fréjus, nous représentons aujourd'hui 5300 logements gérés et 47 collaborateurs, dont une vingtaine en proximité sur nos groupes immobiliers. Au niveau du ratio homme-femme, on est à peu près à 50% sur l'agence de Toulon, avec une propension plus forte de personnel féminin en administratif et de personnel masculin sur les groupes en personnel de proximité.
Donc l'année dernière, le 25 novembre 2019, par le travail qui était déjà engagé par l'agence de Toulon et FASVAR, plutôt dans des actions d'insertion, mon directeur d'agence, Monsieur Delenabé, a répondu favorablement à l'appel de FASVAR pour la signature de la charte des entreprises d'engagement contre les violences conjugales. Donc c'est suite à cette soirée de signature l'année dernière qu'il me proposera par la suite d'en assurer le suivi opérationnel et la mise en œuvre du plan d'action de l'engagement des entreprises dans la lutte contre les violences faites aux femmes sur le territoire du Var, accompagnée de FASVAR et de Chantal Moline, qui est la déléguée départementale à la prévention. Je ne sais pas exactement le terme exact, donc je ne veux pas me tromper. Donc effectivement, j'ai accepté de m'engager dans ce programme-là, aussi parce que je trouvais que mes missions et mon métier de travailleur social se portaient, il y avait aussi du sens à pouvoir me mettre à disposition de mes collègues comme personne ressource et référente de confiance dans le cadre de ces périodes de vie extrêmement compliquées qui peuvent être l'affaire de toutes et tous. Suite à cela, donc malheureusement, la crise sanitaire du début d'année 2020 ne nous a pas permis de mettre en œuvre aussi vite et autant de choses que l'on aurait voulu. Il y a quand même eu quelques groupes de travail et de réunions de suivi avec FASVAR et Madame Moline sur cette action-là pour aboutir début octobre à une formation. Donc de chaque entreprise signataire ayant désigné un référent, une formation qui s'est déroulée dans les locaux de FASVAR en deux temps, une présentation de ce que provoquent effectivement les violences conjugales au sein de l'entreprise et de l'impact que ces violences peuvent avoir sur aussi bien le travail de la salariée qui est confrontée à cela, mais également de ses collègues, des managers et globalement de l'organisation du travail autour de ces problématiques. Et dans le deuxième temps, il y a eu l'intervention de la psychologue de la VIV. La VIV étant l'association d'aide aux victimes d'infractions du Var, qui œuvre du coup depuis plusieurs décennies maintenant dans les actions de lutte et de soutien aux femmes victimes de violences conjugales, avec tout un travail aujourd'hui qui a été mis en œuvre sur le département pour corréler les actions et surtout impliquer les partenaires et notamment ceux qui sont directement confrontés comme les médecins, les services de police bien entendu, les juges, etc. Donc cette association est vraiment très très active et surtout professionnellement très engagée. Du coup, cette psychologue nous a présenté un petit peu l'aspect plus psychique et plus psychologique de tout ce qui se joue dans les cadres des violences conjugales. Donc c'était une matinée très forte qui bouscule aussi les représentations que nous en avons et puis à titre aussi personnel qui bouscule les valeurs que nous pouvons avoir et qui renvoie vraiment à cette connexion très intime finalement entre le milieu professionnel et le monde personnel, parce que c'est un endroit où nous passons aujourd'hui plus de temps qu'à notre domicile, sur une semaine complète. Et puis les liens aussi entre les collègues, surtout nous, sur une structure de 47 collaborateurs, dont la moitié en présence en agence, forcément, ça crée aussi des liens et des connexions qui sont très fortes, où forcément l'intime et le personnel prend place aussi sur le lieu de travail. Donc il a été décidé dans le cadre de ce plan d'action d'offrir une réponse concrète et rapide à ses collègues qui pourraient venir solliciter le référent de leur employeur et de pouvoir en fait personnifier et humaniser tout de suite la prise de relais. Le but étant d'être en tant que référent uniquement une porte d'écoute et une main tendue pour après, comme il a été dit précédemment, aussi permettre à ce référent de pouvoir se décharger émotionnellement et de ce qu'il aura entendu, de ce qu'il aura écouté, pour ne pas non plus aussi être dans la difficulté après de pouvoir se dessaisir de ce que vit le ou la collègue. Donc nous avons décidé dans ce plan d'action de pouvoir contacter directement la psychologue clinicienne de la VIV avec un mail, avec un numéro de téléphone dédié, soit le collègue peut s'en saisir seul, soit le référent peut accompagner dans cette prise de rendez-vous
Voilà, le but était vraiment d'apporter une réponse très concrète de suite et d'orienter vers les professionnels, tout en gardant pour l'entreprise, et là pour le coup pour le collègue référent, la possibilité d'en reparler, d'être éventuellement force de proposition, de bons conseils, puisqu'on y aura été et on y a été formé. Donc voilà, finalement, que l'entreprise ait ce rôle de passerelle, de main tendue entre la victime collègue et le professionnel, voilà, qui est du coup plus rassurant parce qu'il est incarné par une vraie personne du territoire qui pourra apporter des réponses très concrètes. Voilà. Donc, au niveau de l'agence, on aurait espéré pouvoir mettre en œuvre des espaces de dialogue. J'avais pensé et on avait pensé avec mon directeur organiser voilà des temps sur un petit déjeuner collaboratif ou des espaces de café. Hein, on parle aussi de la machine à café. On sait que c'est un espace où il se passe beaucoup de choses, où il se discute de beaucoup de choses. Malheureusement, le contexte ne nous a pas permis de mettre ça en œuvre en espérant que nous puissions le faire dans les mois à venir. L'objectif du coup de l'action de Toulon, c'est vraiment de pouvoir faire écho aussi auprès des autres agences et également au niveau de notre siège qui peut aujourd'hui venir se saisir de cette action de terrain pour amorcer une démarche plus globale. Voilà. J'ai pas trop suivi au niveau du timing, j'espère que je déborde pas trop. Je termine juste très rapidement pour indiquer que donc Erilia et l'agence de Toulon s'est engagée depuis septembre 2019 dans le cadre d'un projet des 10 000 logements HLM accompagnés qui s'appelle Protégeons-les. Nous travaillons en collaboration avec l'AVAF, qui est une association sur le Var qui œuvre dans le logement. Et nous mettons à disposition 3 logements par an, et ce pendant 3 ans. Pour l'instant, c'est le programme qui est prévu, 3 logements en accès direct, donc en signature de bail direct pour des femmes victimes de violences avec enfants mineurs qui se retrouvent sur des dispositifs d'hébergement d'urgence. Le but étant de ne pas les laisser dans le dispositif d'hébergement d'urgence s'il n'y a pas d'autres problématiques de cette famille qui nécessiteraient un ancrage et un accompagnement plus contenant, mais de les faire, voilà, celles qui ont vraiment juste cet accident de parcours et cette rupture de logement, de les faire très rapidement accéder à cet accès au logement, qui est un logement en bail direct, hein, dont elles sont locataires en titre, et pour lesquelles s'ensuit toute une année d'accompagnement par la VAF, aussi bien sur le plan administratif, l'accès au logement, l'accès et la prise en charge de ce nouvel appartement, et bien sûr l'accompagnement psychologique, l'accompagnement dans les démarches juridiques si elles sont toujours en cours, etc. Voilà. Donc nous avons abouti cette première année où nous avons pu mettre à disposition ces 3 premiers logements et nous répercutons cette action sur l'année à venir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, c'est un bon exemple parce que entre la maison EDF, qui est une grande maison, Carrefour aussi, BRL est une grande ETI, et là vous êtes une petite agence, c'est une cinquantaine de salariés. On voit bien que c'est un sujet qui peut être traité à l'échelle de chaque structure, en fonction de sa culture d'entreprise et bien sûr de ses capacités. Finalement, vous étiez engagé avec le club avant même de cette signature, c'est intéressant effectivement à souligner, de ce travail une fois encore que le réseau FAS peut avoir auprès de ses entreprises adhérentes, quelle que soit leur taille. Et on est intimement convaincu que c'est ce travail de proximité qui fait la différence et qui nous permettra de répondre, en tout cas de contribuer, parce qu'on ne va pas résoudre malheureusement la question, c'est une démarche collective et politique et nationale, mais en tout cas de contribuer au mieux à réduire ces impacts assez terribles. Finalement, qu'est-ce que conseil vous pourriez donner à des entreprises de taille moyenne qui ne sont pas effectivement bailleurs, et comment ils peuvent agir en faveur du relogement? Qu'est-ce qui peut être possible de faire? Est-ce qu'il y a des actions qui peuvent être menées, en tout cas que nous, face localement, nationalement, on pourrait mener avec l'ensemble des bailleurs pour justement avoir une démarche un peu collective? Vous avez expliqué effectivement d'avoir réservé des logements. Moi, j'ai le souvenir d'un bailleur qui avait décidé dans un programme d'investissement assez, assez conséquent de lieux, mais en gérant avec SAMU Social et Emmaüs, il me semble que sur un parc de logements, 80% est évidemment à forte rentabilité, mais que 20% des logements qui correspondaient quand même à pas loin de 500 appartements de tailles diverses étaient gérés directement par ces deux grandes ONG au bénéfice de publics fragiles.
dont les femmes victimes de violences et toutes les personnes qui, à un moment donné, pour finaliser, pour réussir à se reconstruire, avaient besoin d'avoir un logement pérenne. On sait effectivement que le logement représente un socle absolu dans l'équilibre, qu'il soit individuel ou familial, quelle que soit la problématique et la fragilité rencontrée par la personne, le logement reste en effet, et par le logement individuel et autonome quand il est possible du coup d'y accéder pour la personne. Et je pense que dans le cadre des femmes et des enfants victimes de violences conjugales, il est aujourd'hui fondamental que ces structures et ces noyaux familiaux, mère-enfant, puissent très rapidement retrouver un équilibre et sortir d'un dispositif d'urgence qui finalement les maintient dans cette urgence. Voilà. Et je pense que l'ensemble des bailleurs doivent effectivement prendre à corps cette mise à disposition de logements pour ces familles-là, de logements pérennes, ce qui est aussi le but de toute façon du logement social, tout en ayant un regard très particulier et très soutenant de ces familles. Et pour les entreprises, plus globalement, je pense qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à contacter les bailleurs sociaux de leur secteur de manière directe. Aujourd'hui, accéder à un service commercial ou à un travailleur social chez un bailleur lorsqu'il est présent, le contact il est facilité. Il y a des agences quand même, tous les bailleurs sociaux ont des agences de proximité. Je pense qu'il ne faut pas hésiter et demander vraiment aux entreprises d'aller directement contacter les bailleurs, de prendre contact, d'expliquer la situation. Plus il y aura finalement de professionnels qui soutiendront les familles finalement en attente de ces logements, plus la parole se libère. Il ne faut pas hésiter aussi à informer les sous-préfectures et les préfectures qui ont ce rôle quand même de loger le public prioritaire. Et la problématique de la violence conjugale est aujourd'hui reconnue dans le cadre de la loi égalité citoyenneté présentation entre guillemets dépôt de plainte, les familles peuvent être labellisées et reconnues prioritaires pour pouvoir bénéficier du contingent de logements réservés par la préfecture, et ce sur l'ensemble du territoire concerné, sur l'ensemble des bailleurs. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à accompagner les personnes de vos entreprises vers effectivement les bailleurs, quitte ne serait-ce qu'à avoir un premier contact téléphonique et des conseils pour savoir comment accéder à ce logement au plus vite et au mieux. Merci beaucoup. Alors, merci. Malheureusement, il faut conclure. On a légèrement dépassé. Merci infiniment pour les intervenantes. Voilà, c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années. On a même été assez novateurs parce qu'on abordait un sujet et à l'époque, personne n'en parlait. C'était avant MeToo et on ne parlait pas des violences faites aux femmes. On ne parlait pas de féminicide. Le mot n'était pas employé encore à l'époque. Donc vraiment, on vous remercie beaucoup. Évidemment, si vous avez besoin d'informations, de contacts, vous avez le mail de Clara. c.atu@fondationface.org ou un reply du mail que vous avez reçu pour l'invitation au webinar. Vous pouvez nous contacter par différents moyens pour continuer avec nous, pour nous rejoindre. Le 10 décembre, nous allons organiser une nouvelle séance de signature d'entreprise, donc la charte One in Three Women. Pour avoir plus d'informations, même topo, vous nous contactez. Cette charte qui a déjà été signée nationalement et régionalement est en train de se déployer au sein de nos clubs, directement auprès des entreprises adhérentes. Donc voilà, en résumé, en conclusion, les entreprises ne peuvent pas et ne doivent pas être les seules à pouvoir réagir face à ça, mais en revanche, c'est un maillon essentiel. C'est dans une chaîne qui est importante, une chaîne comme ça a été commencé, expliqué par Françoise Brier au début, de la Fédération nationale de solidarité femmes, jusqu'à aux détails concrets qu'on évoquait à l'instant sur la question du logement. Mais l'entreprise, c'est vraiment un maillon essentiel. Et nous, on a besoin d'avoir de plus en plus d'entreprises, que ce sujet monte, et c'est donc dans votre écosystème, dans vos relations avec l'ensemble d'entreprises partenaires, qu'on pourra véritablement avancer. Et donc, nous vous attendons soit maintenant pour la signature, pour celles et ceux qui se sentent prêts à le faire avec un accompagnement que l'on peut apporter, soit effectivement très rapidement. Et nous vous donnerons rendez-vous à d'autres webinars. Nous en avons sur la ruralité, nous en avons sur différentes thématiques qui sont le cœur de l'activité de la Fondation Agir contre l'exclusion, avec l'ensemble de son réseau FACE sur le territoire. Merci à vous.